Bonjour, je m'appelle Liane et je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui est super important, super banal et super importante. C'est l'ouverture de la bouche de mes élèves. Vous imaginez pas tout ce que je dis et chaque fois quand je dis, chaque cours, depuis des années, tous les jours. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ça, je dis à tous les hommes, les femmes, aux adolescents, aux enfants, à tout le monde, absolument à la même chose. Tous les jours, j'exagère pas, tous les jours. Donc, s'il vous plaît, pitié, quand vous pensez que ça, c'est ouvert, c'est pas tout à fait ce que je demande. Pour chanter, on a besoin de l'ouverture de la bouche un peu plus grande que pour parler. Vraiment, ah, ah, ça c'est le minimum. S'il vous plaît, c'est pas ça. Oh, ni ça. Ah, trop peu. Ah, c'est le minimum et plus grand. Mais ça, une autre fois. Pour ça, je vous supplie, si vous pouvez trouver à la maison un objet. Comme un bouchon de liège. Si vous avez bouchon pour le champagne, de vin, n'importe. Je pense que pour le vin, ça serait pas mal parce que c'est pas très grand. Regardez, voilà. J'ai trouvé l'endroit pour vous montrer. S'il vous plaît, un bête bouchon. Donc ça, vous mettez dans la bouche, s'il vous plaît. Et vous allez chanter avec ça tout le cours d'aujourd'hui. Please! Ça va vous apporter l'ouverture des molaires derrière. Là, justement, souvent, ils sont un peu coincés. Donc ça va nous aider. Donc, avant de commencer, bien évidemment, on respire. C'est parti. Simple, efficace, on ajoute le S. Et c'est parti, on va tout de suite chanter aujourd'hui sans perdre beaucoup de temps. Prenez votre bouchon ou mettez sur la pause, allez chercher le bouchon à votre cuisine et puis redémarrez ma vidéo. Donc, déjà que ça vous demande les efforts là pour tenir le bouchon, d'accord? Bien évidemment, pas serré comme ça trop fort, juste déposer pour créer l'ouverture relaxante, si vous voulez, de la bouche. Les dents en bas ne serrent pas le bouchon comme ça, il n'y a pas de tension dans la mâchoire quand je le prends dans la bouche. C'est simple, hein? Je n'appuie pas, je ne tiens pas le bouchon. Il est juste là pour écarter les dents, c'est tout. Alors, non, on va faire sur non. Non. Allez, N, on ne va pas prononcer. C'est pas facile, hein? Donc juste oh. Ok? Oh. Et vous allez sentir que même votre larynx demande de se descendre. S'il vous plaît, faites ça. 4. Un espace supplémentaire derrière votre bouche, derrière le nez, juste à l'entrée de votre larynx.
Oh, c'est ça les sensations que j'ai besoin quand vous chantez. C'est pas oh, c'est oh. S'il vous plaît, restez ouvert en permanence. Suivant l'exercice, on va essayer une autre voyelle. Laissez-moi réfléchir. Ah, donc A, O, c'est entre les deux. Vous gardez la bouche comme O, mais vous imaginez un A. Le monde imaginaire pour les chanteurs, c'est notre tout, notre baguette magique. Que ça va tout seul, ça s'ouvre tout seul, d'accord? Vous allez chanter directement. Ne démarrez pas votre apprentissage, votre échauffement vocal avec la bouche mi-fermée. C'est comme si je joue comme ça. C'est pas possible, d'accord? On peut pas jouer avec le piano fermé. On ouvre notre piano et alors nous avons la liberté d'exprimer notre envie musicale, notre message pour ce monde-là. Abonnez-vous et likez si vous voulez soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Écrivez vos questions et vos commentaires en bas. Je les lis. Pour l'instant, j'ai le temps pour ça. Posez vos questions personnelles. Je vais vous répondre bientôt.